Selon les femmes de la commune de Diama, l'enjeu majeur de la décentralisation consiste à apporter des réponses appropriées aux besoins des populations locales, d'où la tenue d'un forum. C'est pourquoi on a organisé cette journée pour que tous les acteurs, les cibles d'abord les femmes, et les acteurs techniques, les services techniques de l'État, les partenaires techniques et financiers, les projets programmes de l'État, et chacun vient apporter sa contribution, voir ses préoccupations par rapport au surplan. Dans les 5 zones de la commune de Diama, les 3 sont déjà maillées pour mettre en place un réseau communal de promotion économique, sociale et culturelle. Durant ce forum, la forte recommandation est le renforcement des caisses de base de l'association des femmes des 5 zones de Diama. On a 850 femmes. Donc leur principal problème, c'est de trouver un moyen des fonds additionnels par rapport à ces caisses, que chaque zone puisse avoir des fonds consistants pour pouvoir développer des microcrédits. Aujourd'hui, l'ARD et le PEDIDAS ont rejoint le conseil municipal de Diama pour porter le dossier. Les bases d'un développement territorial de la commune de Diama sont donc jetées à travers la composante femmes.